Bienvenue sur TV Land. Les rythmes scolaires, une réforme qui ne se fait pas sans poser de problème. À Saint-Vincent-de-Tyros, les enseignants de la ville ont manifesté leur désaccord sur le passage de la semaine à 4 jours et demi dès la rentrée prochaine, lors du déplacement dans leur ville de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Patrick Varnier, et les médias. Devant le groupe scolaire de la Lande, les enseignants des trois écoles tyrossaises ont exprimé à Madame le maire et Monsieur Varnier leur mécontentement sur la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires qu'ils jugent précipités et sans concertation. Nous avons donc profité de cette occasion pour montrer notre mécontentement, non pas par rapport à la mise en place de la réforme, puisqu'on reconnaît tous que l'éducation nationale a besoin d'être réformée, mais par rapport au fait que nous n'ayons pas du tout été concertés, alors que nous sommes quand même les principaux acteurs, et en fait sur le fait aussi que la mairie de Tyros s'est décidé qu'elle ait lieu dès la rentrée 2013, alors qu'on aurait pu avoir un report pour 2014, comme c'est le cas dans beaucoup de communes en France. Et du coup, c'est non seulement précipité, et en plus, on n'a absolument pas été concerté. Alors que nous, les enseignants, nous sommes réunis au mois de février et on a voté à l'unanimité la demande du report de la réforme à 2014. Voilà, nous souhaitons prendre le temps de la réflexion, tout simplement, pour que la réforme soit bien mise en place. Du côté de la municipalité, il n'y a pas lieu d'attendre un an de plus, d'autant qu'avec les municipales de 2014, Madame Labeyrie estime qu'il y aura encore moins de temps pour mettre en place cette réforme, qui sera donc appliquée dès la rentrée prochaine. Moi je réponds qu'il y avait un calendrier qui était fixé par le ministre, que nous avons respecté. Il n'était pas concevable de recevoir les enseignants avant que l'éducation nationale ait reçu les directeurs. Il y avait la première phase qui était une phase politique. Maintenant, c'est une phase où il faut se mettre autour d'une table, discuter, monter ensemble un projet d'éducatif territorial, ne pas oublier non plus les parents d'élèves, donc tout le monde autour de la table, bien sûr les autres partenaires tels que le centre de loisirs et le monde associatif. Et à la rentrée, on mettra en place les rythmes scolaires à Saint-Vincent-Tyros. Bon, plus on attend, plus on traîne et moins on avancera. Il faut aujourd'hui agir en concertation. J'ai bien cru comprendre que ça allait être assez difficile. Pour mettre en place un projet éducatif territorial, nous le ferons. Et nous le ferons avec les partenaires qui voudront nous suivre. Voilà. Et je rappelle toujours qu'au milieu, il y a d'abord l'enfant. Si tous s'accordent sur le fait qu'il faut réformer l'éducation nationale et que l'intérêt de l'enfant prime, les réunions à venir risquent tout de même d'être animées.